je n'y comprends rien. Ah, c'est pas un bug, ça, c'est un gamin. Mais je sais pas où il est ton bug, hein. On m'a vendu... Ah, c'est peut-être lui. Marchand de cartes. Ah, vous voulez acheter une carte avec Oppo? Désert Est, Ouest, ou les plaines de Giza. Le désert Ouest, ça coûte la race. Voilà des gilles bien dépensés, vous ne le regretterez pas, foi de Mog. J'ai une carte, vous pouvez maintenant consulter la carte complète de cette zone. Désert Est. Excellent. 550 par contre, tu peux te brosser. Hein. Salut mon gars. Bon, j'ai largement pas assez de gilles pour m'acheter de l'équipement, donc on va juste y aller. Oui. Et c'est trop bien que ce soit juste un bumper. L1. Et puis sur L1, le jeu est en x4. C'est magnifique. Une fonctionnalité pour tous les jeux vidéo. Le cristal réagit. Je peux sauvegarder, je peux me téléporter. Ah bon? Il faut une pierre de téléportation. C'est inconsommable, j'imagine. Le fast travel... Ah oui, il y a pierre 0. Ah, le fast travel, c'est inconsommable. C'est bon à savoir. Bon, ça va, la sauvegarde n'est pas inconsommable. On n'en est pas encore là. Parce qu'il y avait des jeux hein, à l'époque. Enfin, une époque encore avant celle-là. Pour la PlayStation. Tu voulais sauvegarder. C'était comme une potion, quoi. Tu consommais un objet. Et t'avais ta sauvegarde de fait. Mais du coup, tu pouvais sauvegarder qu'un nombre donné de fois. C'est assez chaud. Les plaines de Giza. Il y a des trucs qui brillent. Alors. Qu'en est-il? Hop. On peut même faire hop. Alors on a un truc ici. Faut que j'aille au milieu. D'accord. Je suis chaud du bulbe. Un loup. Je vais voler le loup. Ah non, c'est un lican. Je vais voler le lican. 9 points de dégâts. Ah bon. Il y a un truc qui arrive. Non, ça va. C'est un petit lapin. Je suis désolé, mais il y a un petit lapin qu'il va falloir qu'on se fasse quand même. Oh, oh. Non, mais il y a des moments où il est juste trop chaud. Il chante en même temps. Il fait ya, oh, hey. Lapin de Giza. Non, ils sont trop mignons. Il faut que je vois ce que tu as donné. J'ai pas réussi à le voler. Reviens ici. Reviens ici. Une pierre d'eau. Qu'est-ce qu'il fait? Il prépare l'action bouclier. Mais moi c'est bon, hein, je t'ai volé ton truc. Ah non, maintenant il veut me défoncer maintenant. Là il est en train de marcher vers moi en mode... Toi je vais t'atomiser la gueule, toi. Mais il fait mal. Il va pousser, monsieur. Pelote de laine. Une potion. 39 gilles. 23 gilles. La richesse. La richesse amène la cupidité. J'en veux plus. L'avidité. Le grid. Aïe. Hey, oh, hey. Énorme van. Bien joué. Tu es un héros. Alors ici, il y a le petit campement. Mais avant ça, est-ce qu'il n'y a pas d'autres trésors? Il y a des trucs qui brillent par ici. Ça va être compliqué. Ok, par là. Ah, mais il y a un trésor par là. Énorme. C'est mon moment. Par contre, deux licans. Deux licanthropes. Une fourrure de loup. Ah, le jeu, par contre, lui, il s'en bat les steaks, hein, que ce soit des licans ou whatever. Ouais, non, c'est des loups, quoi. Clairement des loups. Paf. Ok, excellent. Toi aussi tu vas y passer. Hein. Ramène TBN. Il s'améliore, va, non? Il vole bien, là. Il vole bien, c'est un bon chevalier. Paf. Pire chevalier, hein, d'ailleurs.
Je suis un chevalier. Le consul vient d'arriver. Qu'il me donne ses affaires. 29 Gilles. Alors, c'était quoi? C'était lui. Est-ce qu'il y a encore un trésor dans ce quartier? Ce quartier de cartes. Ce carte y est. Là-bas, il y a un petit recoin. Il peut y avoir un truc là-bas. À mon avis, dans le campement, on va pouvoir régénérer la vie, non? Oui, il y a un cristal de sauvegarde. On va pouvoir regagner de la vie. Paf. Pierre de feu. Ah oui, mais lui aussi, il va enchaîner deux coups, là. Petit bâtard. Dangereux, là. Une clignote. Il s'est mis à clignoter. Je sais pas pourquoi. Un trésor. Une potion. Excellent. J'adore les potions, c'est ma grande passion. Passion potion. Un lapin. Un lapin qui protège. 8 Gilles. Petit lapin. Je suis désolé, petit lapin. Je vais te choper. Ce qu'il y a dans tes poches. Un antidote, c'est trop bien. Oh toi, je te connais, toi. Toi, je t'aurais bien laissé tranquille après t'avoir pris ton antidote. Et je sais très bien comment ça se passe. Non mais par contre, il est à l'autre bout de la terre, lui. Hey! Oh, hey, yay! Niveau 3. Niveau 3 en assassinant un pauvre petit lapin. Oui! Il y a encore un truc par là ou pas? Oui. Meilleure feature, hein, le x4. Clairement la vie. J'ai l'impression de faire un safari, là. Un safari. Je sais même pas la vraie définition de safari. Est-ce qu'on est obligé de chasser des trucs quand on fait un safari? Non, hein. Attendez, je crois qu'il y a quelqu'un qui me poursuit. C'est juste le fait de faire un voyage, non? Dans une terre sauvage. Je suis pas sûr. On va chercher ça après. D'abord, il faut que je m'occupe de ce lican. Hey! Hey! Ya! Hey! Ha! Non. Merci pour tout. Un chapeau! J'ai eu un chapeau de coton. Est-ce que... Ah non, mais il faut le permis. Il faut le permis coton. C'est vrai. Parce que le permis, ici, c'est cuir. Ah non, c'est cuir et bronze. J'ai le droit de mettre coton ou pas? Est-ce que j'en suis à me demander si j'ai le droit de faire des choses. Hein. On est là. Non. Équipement de mage. Ah. Terrible. J'ai l'équipement léger, apparemment. Équipement de mage, je sais pas. Non, mais pas, j'ai pas l'équipement léger, c'est juste que j'ai de base, en fait. Mais du coup, si je l'enlève, j'ai plus le droit de le remettre. Ça, c'est incroyable. Au secours, je suis blessé. À l'aide. Mais c'est tellement vivant. Regardez, c'est un petit campement. C'est le village Pokémon. Il y a genre trois maisons. Enfin, trois tentes, même. Mais il y a 1 million d'habitants dedans. C'est extraordinaire. Pas encore. Je ne me sens pas prêt. Et pendant que les hommes travaillent à l'extérieur, les femmes tiennent le village. Les enfants aussi participent, ils font des bêtises, mais c'est comme ça qu'ils apprennent. D'accord. Y'a personne qui veut aider à travailler à l'extérieur? Ou des hommes qui veulent aider à tenir le village? Tu as l'air ennuyé, petit. Quel est donc ton problème? Tu viens de Rabanastre et tu es à la recherche d'une pierre du soleil. Et comme leur nom le laisse supposer, les pierres du soleil contiennent le pouvoir du soleil. On s'en sert comme source de chaleur et de lumière, sans deck. Dans ce village, c'est Machua qui s'occupe des pierres du soleil. Va voir près du cristal noir, généralement, c'est là qu'elle se trouve. Ah, tu vois cette grosse pierre noire? Ah oui, je la vois bien, oui. Derrière ma tente, c'est ça qu'on appelle un cristal noir. On n'en trouve que dans les plaines de Giza. Les surfaces noires de ces cristaux ont la propriété d'absorber la lumière du soleil. C'est incroyable, merci. Vous êtes vraiment un puits de savoir. Moi je me méfierais, je resterais pas au milieu de l'enclos comme ça. Hein. Madame. Madame, attention. Les cocatrices sont un danger. Rassure-toi, elles ne mordent pas. Ah bon? Non mais non, elles mordent pas, non, elles picorent. Ces cocatrices sont totalement domestiquées. As-tu déjà vu quelque chose de plus mignon et de plus craquant qu'elles? Ah, moi je les trouve à croquer. Fuis pour ta vie. Elle semble chercher à dire quelque chose. Au secours. Sauvez-moi. Elle ne montre aucun signe de peur. Elle a l'air parfaitement apprivoisée.
Mais elle, c'est une guerrière. Une guerrière colocatrice. Enfant nomade. Et Jean et Toth se sont encore disputés, c'est sûr, ce Jean. Ils passeront autant à faire des bêtises. Sauf que cette fois, Raoklo était avec eux. Je me demande ce qui s'est passé. On se demande tous en ce qui s'est passé. Est-ce que c'est un camelot? Non, c'est une nomade. Bonjour. Acheté. Épée large. Non mais tout coûte une blinde, hein. C'est inadmissible. En plus, une épée large, ça fait pas plus de dégâts qu'une dague. C'est incroyable. C'est quand même extraordinaire. Ça fait les mêmes dégâts. Lui, j'ai le droit. Lui, j'ai pas le droit. Pour rien. Bonjour. Je suis qu'une mague voyageuse qui vivote. Je reste ici pendant la saison sèche, mais je partirai dès les premières pluies, à cause des monstres. Même si la saison sèche est censée durer encore quelques temps, méfiez-vous, Coupeau. Les grosses boules de foudre sont vraiment dangereuses. Les grosses boules de foudre? Les trucs qui brillaient, là? As-tu venu voir les cristaux noirs? Tout le monde ne s'accommode pas de la chaleur des plaines de Giza aussi bien que toi. Ah, tu veux te procurer une pierre du soleil? Alors tu es au bon endroit. Elle se fabrique ici à Giza, et nulle part ailleurs. Cela dit, vu leur valeur, nous ne pourrons pas nous permettre d'en distribuer à droite et à gauche, chaque fois que quelqu'un nous en demande. Ces pierres sont notre gagne-pain. Nous les produisons avant tout pour les vendre. Mais on peut peut-être s'arranger. Tu veux entendre l'offre que j'ai à te faire? Non, ça ira. Bien sûr. Nous confions aux enfants du village la tâche de préparer les pierres du soleil. Vous voulez que je devienne un enfant du village? Ils arpentent les plaines, courant de cristal noir en cristal noir, afin de récolter leur lumière dans des pierres de l'éclipse. Ah bon? Genre, ils utilisent les gamins pour courir entre les monstres à travers les plaines? Un de nos enfants, Jean, n'est pas rentré de sa tournée. Ah oui, celui qui fait des bêtises, là. Il est parti en emportant toutes nos réserves de pierres de l'éclipse. Quel bâtard. Va chercher Jean pour moi. Et dis-lui de revenir au village. En échange, je te laisserai prendre une des pierres du soleil qu'il aura confectionnée. Les enfants pensent qu'il est au sud du village. N'hésite pas à leur demander plus de détails avant de te mettre en route. Dans tous les cas, tâche de retrouver Jean et demande-lui de rentrer tout de suite. D'accord. Mais tu n'es pas un enfant du village, toi. C'est pas ce que tu crois. Je suis venu pour faire le ménage. Oh oui, Pénélo avec nous. Pénélo se joint au groupe. Je me souviens que quand j'avais joué au jeu sur PS2, je supportais pas Pénélo. Je supportais moyennement Van. Et je supportais pas Pénélo, mais je sais pas pourquoi. Je m'en souviens plus. On en reparlera plus tard. Probablement, quand je me souviendrai. Mais là, pour le moment, je les aime bien. Devine quoi? J'ai vu Jean, au sud des plaines, dans la clairière du cristal. Je lui ai demandé s'il voulait rentrer au village avec moi. Mais il m'a dit qu'il avait du travail à terminer. La clairière du cristal est au sud du village. Mais il faut faire le tour par là-bas pour y aller. Jean avait l'air pressé. Alors je n'étais pas tranquille à l'idée de le laisser. Mais en même temps, je ne voulais pas le forcer à rentrer. Finalement, je me demande si j'ai bien fait. Bon, en tout cas, c'est gentil. C'est gentil de nous avoir donné la localisation parfaite et concrète. Je le vis bien. Du coup, on a même une petite croix. On sait exactement où aller. C'est merveilleux. Ah, il faut que je fasse un sacré détour. J'ai envie d'explorer toute la map, pour trouver des trésors. Ça risque de prendre un peu de temps. Après, ça fait de l'XP, hein. C'est bien l'XP. C'est pas trop à quoi ça sert, mais... Pénélo. Qui n'a pas de rôle, Pénélo. Qui est niveau 3. 97, pardon, PV. 56 PM. Je peux faire des... Ah oui, je peux faire des comparatifs comme ça. Très bien. Alors... Elle a moins de défense et de défense magique. Oui, bah ça c'est parce qu'elle a pas un bracelet extraordinaire comme le mien. Elle a un peu moins de force, un peu plus de magie.
et un peu moins de vigueur. Mais globalement, ça va. Hein, c'est... On vit un peu de la même manière, quand même. Hein. De base, on a envie de lui dire que c'est un mage. On a envie de lui dire que c'est un mage blanc, pour avoir du soin. Mais bon. On va surtout lui dire... Bonjour, Penelo. Tu es... 10. Tu es 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu es mage lame rouge, Penelo. Félicitations. C'est officiel. Tu as eu ton diplôme. Je ne sais pas ce que c'est. Un mage guerrier polyvalent maniant la masse. Ah oui, d'accord. Et capable d'utiliser des sorts variés. Sorts, magie arcane, offensive. Quelques sorts de magie blanche et noire, autres. D'accord, bon, elle sera pas une excellente soigneuse, ni un excellent mage noir, mais elle fera un peu de tout. C'est pas mal. Tiens. Tu seras notre joker polyvalent. Félicitations. Ah, il a déjà l'équipement de mage en plus. J'ai eu un chapeau de coton. Je peux lui mettre un chapeau de coton si je le souhaite. Et là, elle peut avoir une masse de bronze. Et un bracelet d'endurance aussi. Incroyable. Ténèbres au carré. Lenteur, inertie. Alors, il suffit pas d'apprendre là. Hein. Là, c'est juste le permis. Pour acheter les sorts aussi, je crois. On a vu qu'il y avait une boutique dans la ville qui avait un espèce de bâton en icône. À mon avis, c'est pour ça. Très bien. C'est fantastique. Elle a déjà un chapeau de coton, en vérité. Elle a aussi une dague. Bon. Bah c'est bien, je suis tombé sur deux trucs différents, donc... on pourra utiliser des types d'équipements qui ne sont pas les mêmes. C'est pas le thème de Penelo, ça, justement ? Et poète, poète. C'est une musique qui donne envie de faire poète, poète. Bon, on ira voir les quartiers du nord plus tard. Hein, on va passer comme ça. On va faire le tour comme ça. Ça me semble pas mal. En vérité. Ça me semble très sympathique. Au fait, Van, je voudrais te donner quelque chose avant qu'on parte. Avec tous ces monstres qui rôdent dans le coin, il vaut mieux être prudent. On a gagné 3 potions et 2 queues de phénix. Jusqu'à présent, tu étais seul. Mais vu que je t'accompagne à présent, nous formons ce qu'on appelle une équipe. Tu commandes les actions de tes alliés exactement de la même manière que les tiennes. J'agirai de mon propre chef, évidemment. Mais si tu m'indiques une commande spécifique, je la réaliserai en priorité, compris? C'est compris. Vous pouvez maintenant choisir les actions de vos compagnons et changer de leader à volonté. Oh, j'allais oublier. Si tu ne veux pas que j'agisse par moi-même, tu as la possibilité de désactiver mes gambits. Une fois mes gambits désactivés, je ne ferai plus rien, sans que tu m'en donnes l'ordre. Mais franchement, je te conseille de te servir des gambits, et pour moi, et pour toi. Tu verras, ils te faciliteront la tâche pendant les combats. L'option gambit a été ajoutée. Bon, on y va. Alors, pour le moment, on a des gambits... basiques, très probablement. Van, on nous a bien dit que Jean était au sud du village. On devrait pouvoir faire le tour par ici. Bien sûr. Non. Gambit. Bah. J'ai pas le menu. Dans l'état. État Gambit. Équipement. Mais non, mais j'ai pas les gambits. Je suis stressé. Au secours. Où sont mes gambits ? C'était pas ici que je vais aller ? Au bestiaire, on a des nouveaux trucs dans le bestiaire. Oh oui, on a plein de trucs. Incroyable. Oh pas. Une créature espiègle et farceuse. Par chance, pas assez intelligente pour être vraiment dangereuse. On appelle ces rejetons Pampinos. Certains spécimens insolites arborent une fleur écarlate à la fois rarissime, de grande valeur et considérée comme un heureux présage d'amour dans le langage des fleurs. Vous, jeune aventurier, n'en êtes encore qu'au balbutiement de votre voyage. Votre premier objectif devrait être de récupérer 1000 épines en vous attaquant à des pampas. Après avoir accompli ce fait, non seulement vous aurez dans votre escarcelle un sac de 1000 épines, butin de quelques valeurs à la revente, mais en plus vous aurez acquis une formidable expérience de combat.
Il est vivement conseillé à toute personne qui n'arrive pas à gagner un sac de 1000 épines de changer de métier sans tarder et de trouver un gagne-pain plus stable en ville. L'avantage, l'aventure plutôt, n'est pas faite que de joie et de plaisir, qu'on se le dise. Mais c'est quoi, c'est une quête ça? On verra les autres plus tard. Où sont? Non, c'est pas là non plus. Hein. Je sais pas où sont mes gambits. Je suis stressé.